Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo haul action, mais vraiment un petit haul. Je vais juste vous montrer mes achats. J'ai acheté quelques petites pépites que j'ai trouvées à action. Donc je vais commencer tout de suite avec des serviettes de bain. Voilà, j'en avais besoin. J'ai pris du blanc. J'ai pris quelques gants de toilette en blanc. J'ai pris aussi des petites serviettes d'invité et des grandes serviettes. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous. C'est totalement gratuit. C'est des astuces de Linda. Bienvenue sur ma chaîne. Je poste plusieurs fois par semaine des astuces, des idées. Et aussi, je vous montre un petit peu mes achats, comment utiliser les produits, en tout cas moi, comment j'utilise les produits de chez Action. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Allez, on commence tout de suite avec les gants toilettes que j'ai trouvés chez Action. C'est le moins cher, en fait, la gamme la moins chère chez Action. Il y a aussi d'autres gammes, Hôtel Royal, et il y a aussi deux ou trois modèles qui sont vendus à Action. Moi, j'ai pris celle-ci. Elle est pas mal, elle est bien et c'est pas trop cher. Pour les gants toilettes, j'en ai pris 4. Voilà, comme ceci, 4 petites gants toilettes. Le gant toilette, je pense que c'est ça le prix. C'est vraiment pas cher, c'est 49 centimes. Elle fait 16 par 21 cm. Il y a plusieurs couleurs, on a du noir, du gris anthracite, gris clair, blanc, il y a aussi du rose, il y a aussi du rose fuchsia, il y a aussi du vert, je l'ai déjà dit, et du bleu turquoise et du bleu, un bleu foncé. Voilà, il y a pas mal de choix de couleurs, franchement c'est très intéressant. Là j'ai pris les grandes, j'en ai pris 4. Donc j'en ai pris 4 ici, c'est le grand modèle, hein. Celui-ci c'est 50 par 100 cm. Alors ce grand modèle, il coûte 2,48 € à 50 par 100 cm. Il y a pareil, les mêmes couleurs. C'est rectangulaire. Voilà, ceux-là, j'en ai pris 3. Voilà. Alors, on finit avec les serviettes d'invité. Donc c'est lavable à 60 degrés, hein. 60 degrés maximum. Les serviettes d'invité, elles sont à combien ceux-là? 30 par 50 cm, hein. Voilà, 30 par 50 cm. 74 centimes. 30 par 50 cm. C'est vraiment pas cher à 74 centimes. Voilà. J'ai pris aussi cette boîte de rangement. Voilà, j'en avais besoin pour faire un truc dans ma salle de bain. Donc je vous partagerai ça bientôt sur ma chaîne. Donc en attendant, j'ai pris qu'une seule pièce. J'ai pas trouvé, en fait, j'en ai pas trouvé malheureusement. C'est doublé avec un tissu blanc à l'intérieur. C'est du bambou, on a du noir normalement et couleur bois naturel. Moi j'ai pris qu'un seul petit comme ça car j'ai pas trouvé en fait. C'est 24 par 18 par 13 cm et c'est normalement 1,99 € pour le petit modèle. Il y a aussi le grand format. Donc du coup on a trois tailles. J'ai pris aussi, mais impossible de trouver le ticket. Vraiment désolé. C'est vraiment pas cher hein, ceux-là. C'est 1 € et quelques. Il y a le couvercle en verre en métal qui se visse. C'est des bouteilles comme ça avec bouchon. Super pratique d'ailleurs avec texte. Donc pour servir, pour mettre peut-être des jus, bien de l'eau. Elle fait 1 litre celle-ci. Voilà. J'ai trouvé ça joli et on peut mettre ça au réfrigérateur. J'ai pris aussi, les amis, cette carafe filtrante. Donc ça c'est vraiment génial. Donc là en ce moment on voit beaucoup sur des réseaux sociaux, ils parlent de ça aussi au journal, les infos, qu'apparemment il y a un problème avec les bouteilles d'eau, il y a pas mal de choses hein, qui circulent, etc. Donc nous, pour plus de sécurité, pour faire attention à ça, donc on va pour l'instant boire de l'eau avec cette carafe. Donc cette carafe filtre l'eau. Cette carafe, je l'ai achetée à Action à 9,95 €. Elle fait 2 litres 300. 2 litres 300 made in Germany. Voilà. Et en fait, elle est fournie avec un filtre. Mais il faut acheter les filtres à chaque fois à part. Donc les filtres à Action sont vendus par deux à 5,95 € les deux filtres.
Et il faut savoir qu'ailleurs, ça coûte le double. Hein. Franchement, ça coûte trop cher. Sinon, ça permet de filtrer l'eau contre le calcaire, le chlore, etc., etc. Et aussi faire des économies. Vraiment, vous faites beaucoup d'économies. C'est vraiment très intéressant. Donc, avec filtrer l'eau du robinet, avec cette carafe, c'est vraiment nickel. Elle est en plastique. Avec, donc là, j'ai pris du coup 4 recharges, au cas où. Souvent en rupture de stock, j'avais peur. Donc, on a pris 4, donc à 5,95 €. Et la carafe à 9,95 €, la carafe. Voilà. Donc, on va tester ensemble. Je vous montre comment ça marche. C'est vraiment très intéressant et c'est économique, surtout. Et là, c'est marqué, ça passe au lave-vaisselle. Hein. Ici, donc ça passe au lave-vaisselle. Donc ça filtre avec un bon goût pour l'eau. Ça, c'est très très bien. Donc à tester. N'hésitez pas en commentaire si vous avez testé cette carafe ou pas. On a pris aussi ce localisateur de clés, mais pas que. Donc pour trouver facilement ces clés, si vous avez tendance à perdre vos clés régulièrement, donc vous pouvez accrocher cet objet sur le trousseau de clés. Grâce au Bluetooth, vous pouvez localiser vos clés. Où se trouvent vos clés exactement. Voilà, ça c'est vraiment pratique, je trouve, et on va le tester. Donc j'ai pas trouvé pareil le ticket de caisse, je pense que là, ça coûte 1 € et quelques. Il est vraiment pas cher. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne, comment ça marche en fait cette carafe pour filtrer l'eau du robinet. Donc c'est vraiment facile à faire. Donc on a avec la carafe, on a une cartouche qui est fournie. Voilà la cartouche. On a la carafe ici et ça, c'est le support à cartouche pour mettre la cartouche à l'intérieur. Et ici, on a le couvercle. Alors le couvercle, on a ici une date. Donc c'est la date où vous allez mettre le filtre. Pourquoi? Parce que le filtre dure 1 mois, 4 semaines, 1 mois. Donc vous mettez la date du jour d'aujourd'hui, donc ça va durer 1 mois. Vous saurez à quelle date vous l'avez mis. Vous pouvez changer le filtre. Voilà, ça c'est pour le couvercle. On a aussi donc la carafe, je l'ai déjà bien nettoyée, essuyée, bien lavée. Il n'y a pas de souci. Donc là, elle est sec. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur, de l'eau de robinet. Là, c'est pour nettoyer le filtre, en fait. Vous allez prendre le filtre comme ceci et vous allez le plonger. Alors, vous laissez jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de bulles. Voilà, vous allez le laisser comme ça. Un petit peu dans l'eau, quelques secondes. C'est bon, donc je vais enlever le filtre, je vais le poser à part et l'eau, je vais le garder pour pas gaspiller, pour arroser une plante ou bien dans une petite bassine pour faire la vaisselle, etc. Et je reviens vers vous. C'est bon, là, je vais déposer le support comme ceci. Voilà. Je vais déposer le filtre ici au fond. Il faut que ça clipse en fait. Voilà, comme ceci. Je vais remplir avec de l'eau du robinet et par contre, il faut laisser l'eau filtrer. Donc, il faut jeter la première eau. Pareil, deuxième fois, il faut laisser encore remplir la carafe ici, laisser filtrer pour la deuxième fois et jeter l'eau ou bien arroser des plantes, ce que vous voulez. C'est au bout de la troisième filtration qu'on peut boire l'eau. Au bout de la troisième filtration. Voilà. Vous mettez bien la date ici. Donc aujourd'hui, faut mettre la date d'aujourd'hui, le jour où vous avez mis le filtre. Voilà, on a ici un petit bouton ici et ici pour le mois et le jour. Et vous laissez filtrer, donc on répète l'opération 2 fois. Au bout de la troisième fois, on peut boire l'eau. Voilà, là je vais mettre l'eau. Et pour faire attention, il faut verser sur le côté, pas sur le filtre. Il faut bien remplir comme ceci. Et on va laisser filtrer. On n'oublie pas de mettre la date pour laisser
laisser la date ici pour changer le filtre en fait. Voilà comment marche la carafe, j'espère que j'ai été claire pour vous. N'hésitez pas en commentaire si vous l'avez testé, si vous aimez ou pas. Donc voilà, moi j'ai pris plusieurs charges hein, au cas où, s'ils sont en rupture de stock. C'est vraiment pratique je trouve. Et elle fait 2 litres 300. Et le prix, je répète, c'est 9,95 €. Alors juste pour info ici, dès que c'est vide, vous pouvez re-remplir hein, en fait, pour que ça filtre encore à nouveau pour vraiment remplir la carafe. Voilà les amis, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Et j'ai répondu à quelques questions à ce sujet de cette carafe. Donc je vais partager avec vous mes achats de chez Action. 100% Action, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous. C'est les astuces de Linda. À bientôt pour une nouvelle vidéo astuces et haul. Bientôt.